Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes très chers sœurs, cette nuit, j'ai fait un son. Cette nuit, j'ai fait un son. J'avais quitté cette terre et j'arrivais au paradis. Et j'arrivais au paradis pour écouter aux béatitudes. Saint-Pierre, qui m'avait reconnu, me demanda : vous êtes bien l'abbé Castagnier ? Je répondis oui, mais je remarquai sur ses lèvres un sourire. Monsieur le curé, savez-vous comment on appelle votre église ici ? Non, grand Saint-Pierre. Non, grand Saint-Pierre. On l'appelle Notre-Dame des courants d'air. Je ne répéterai pas le navrant inventaire qui saute aux yeux, l'état des charpentes, hein ? Oh. Le toit, là-haut, oh. Le bourdon fêlé, oh. Non, vous pouvez pas le voir. Excusez-moi. C'est les gros qui devraient donner l'exemple. Les statues, cette chair elle-même. Ah, moi, c'est fini, je reviendrai plus. Monseigneur ne vient plus célébrer les cérémonies de la Sainte Confirmation. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi ? La dernière fois qu'il est venu, il a attrapé une bronchite. Quelle tristesse. Mademoiselle Beaupied nous a quittés pour toujours, à la suite d'une pneumonie. L'harmonium resterait muet sans M. Vidourlet. Il joue comme il peut, le pauvre. Ainsi, je suis le curé de Notre-Dame des courants d'air. Et je me surprends à envier. Je me dis, il y a sur la terre des prêtres heureux, tel mon collègue de Paris à Notre-Dame, que je n'ai jamais eu le plaisir de rencontrer, et qui peut dire sa messe sans mettre une laine. Je suis le ministre de celui qui a dit frapper et l'on vous ouvrira. Alors, je frappe votre cœur. Connaîtrez-vous à la porte ? Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi !